Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 17 juin pour un nouvel unboxing. Comme je vous l'avais dit, j'attends des toiles, j'en ai reçu une hier. Donc c'est une toile qui vient de chez Jumei Store, qui avait été commandée le 24 mars et que j'ai reçue donc hier. Alors vous voyez, il ne faut pas désespérer, hein, au bout de presque 3 mois. Le colis était dit comme arrivé pendant un temps, après il a été dit comme étant annulé. J'ai contacté le vendeur qui me l'a renvoyé avec un autre numéro de suivi. Et donc voilà, donc ben pour le coup il est arrivé hier. Alors c'est, bon je l'ai ouvert juste pour voir ce que c'était vite fait, hein. Donc je vous fais le petit unboxing. Donc alors, comme je vous disais, c'était une toile que j'attendais, que je pensais que je n'aurais plus, hein, bien entendu. Donc vous voyez, les couleurs sont super jolies. C'est ce qu'on appelle un paysage sakura. Voilà, donc je vais l'ouvrir devant vous. On va regarder l'état de la toile, les diamants, savoir si tout ça est en bon état, voir si, enfin, s'il y a des rivières. Parce que, vous avez compris avec mes dernières vidéos, j'ai pas trop de chance en ce moment concernant les toiles, donc j'espère être un peu plus chanceuse là. Bon, le seul point négatif pour l'instant que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que la toile n'est pas recouverte de papier blanc. Donc heureusement que j'en ai gardé d'avance pour pouvoir, les mettre dessus, parce que moi j'aime pas ce papier transparent. Bon, alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis, parce que vous voyez, je vous montre l'état de la toile. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Je vous montre. Je ne sais pas trop est-ce que j'ai le motif. Vous n'allez pas trop le voir. Je vous montre le motif vite fait là, comme ça. Mais je vous montre de loin. Ça va vous donner peut-être un peu plus un aperçu. Voilà, vous voyez. C'est magnifique, hein, il va être super joli. C'est un 70x50 et il y a 19 couleurs. Bon, je suis dégoûtée, c'est pas des couleurs DMC. Ah si, peut-être. Ah si, je suis contente. Il y a les couleurs DMC. Trop bien. Donc, ouais, le papier a tendance à rester collé trop dessus. Ça a pas l'air d'être des rivières, mais je vais m'amuser, je pense, à l'enlever. Donc je sais pas si je vais tout enlever, pas envie d'arracher, mais bon, visiblement c'est pas des rivières. Non, c'est pas des rivières. Bon, la toile est pas top, hein. Elle est très fine, vous voyez, elle est super fine. Bon, mais on verra ce que ça donnera au fur et à mesure que je vais le défaire. Je pense pas que ce soit, comme je vous dis, des rivières. Non, c'est le papier. Alors, il colle plus à des endroits qu'à d'autres. Mais bon, la toile n'est pas abîmée. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop, ben voilà. Vous l'avez vu en direct, elle s'est refermée toute seule. Bon, je ne vais pas insister. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure que j'avancerai de le faire. Donc ce ne sera pas tout de suite, comme je vous dis à chaque fois. D'abord, je vais finir ma toile d'anniversaire. Je vais faire ma toile Pikachu que je fais en ce moment avec Hélène. Je vais faire aussi mon fil rouge qui commence bientôt là. Et puis après, je vais voir au gré de mes envies, ou alors je verrai avec vous laquelle vous voulez que je commence à faire. Donc, on va ouvrir. Alors, ça s'est présenté, vous voyez, avec deux barquettes. Donc, deux barquettes avec un stylet classique, la petite barquette verte, le petit carré de cire et quelques poches à zip. Voilà, les deux paquets sont pareils, ils sont identiques les deux. Et ensuite, on a les fameuses poches. Alors, ça arrivait en deux poches.
Donc on a des fameuses poches avec la feuille de route. Vous voyez, donc, comme je vous disais, on voit mieux le dessin ici, là. Et alors, je suis contente parce que, bon, bah, pour le coup, j'ai, voilà, les numéros avec les symboles ici, là, et j'ai les numéros DMC qui correspondent. Voilà, donc, ça a été pointé par le vendeur, mais je l'ai quand même, par acquis de conscience, parce que j'aime bien le cas pour être sûr. Que si jamais il n'y a pas toutes les références, ben là il va m'entendre pour le coup, parce qu'au bout de 3 mois d'attente, quand même, ça la fout mal. Donc, je vérifie avec vous, ça va aller très vite, hein, il n'y a que 19 couleurs, donc voilà. Bon, c'est du rond, faut savoir qu'ils en ont quasiment plus en stock de celui-là. Ils ont, je crois, qu'une seule taille maintenant, et voilà. Donc, alors, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 56, 07, 7, 797. Ouh, tout ce bleu. D'habitude, on se plaint du noir, mais alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 29, 30, 31 de 820 31. Alors je dois avoir un souci quelque part, hein. Parce que là ça me dit qu'il y en a 31, là ça en a 52. Alors on va voir, du coup j'ouvre l'autre sachet. Bon, j'ai bien fait, la blague. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et la suite. Voilà. 31, 32, 33, 34, 37, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52. Ok, là je valide. Ensuite, 798 x 4. 554 x 4. 803 x 2. 550 x 5, 500 x 1, 2, 3, 4, 5, 917 x 5, 838. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de sachet d'exploser. Des fois, ça arrive quand vous ouvrez. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 966, 996. Ok. Je ne décide pas dans l'ordre. En tout cas, les couleurs sont sympas. Je vais m'amuser. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 995, 939. Voilà, vous voyez. C'est pas mal. Hein. Bon, il n'y en a pas autant que 820, mais. Hein. Ensuite 317, 1, 154, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 318, 3, 333, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 38, 34, et enfin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 37, 56.
Bon, mais voilà, et eh bien je valide tout, donc j'ai la quantité qu'il me faut au niveau des diamants. Je suis très contente. Voilà, donc je vais pouvoir faire mon DP sans souci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de diamond painting avec des diamants ronds. Ça va me permettre de tester les stylets que je me suis acheté de chez Marine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant la toile? Ben, pour le coup, rien du tout. Les couleurs sont super jolies. Alors j'espère que ça donnera un super effet, sachant qu'en plus c'est une grande toile, donc ben, pour le coup, ça va être sympa. Voilà, voilà. Pour le unboxing, c'est terminé. Donc la seule chose qui me reste à vous dire, c'est que j'ai reçu tout ce qu'il me fallait pour faire le concours des 100 abonnés. Donc on est aujourd'hui à 83, donc ce serait bien que ça monte assez vite. Donc ben, comme d'habitude, hein, je vais vous demander de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et ben, de faire connaître ma chaîne, hein, tout simplement, puisque comme je vous l'ai dit, à 100 abonnés, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, premier concours que je ferai bien entendu, et pour ce premier concours, ben, je vais vous gâter, parce que ben, pour le coup, il y aura 3 gagnants. Voilà, donc si ça peut vous aider à vous abonner, et puis ben, moi je me charge de vous faire d'autres vidéos dans la semaine, puisque j'ai reçu une autre toile et je vais en recevoir d'autres. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. I like me better when I'm with you.